N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Qui êtes-vous ? Qui suis-je ? Je ne suis qu'un instrument adapté à la besogne qui m'est conférée. Je suis le masque de moi-même. C'est ce que je vois. Je l'espère. Je ne mets aucunement en doute vos qualités d'observation, mais je souligne qu'il est paradoxal de demander à un homme masqué qui il est. Oh, oui. Mais enrobé dans la noirceur rassurante de cette nuit, permettez-moi de vous épargner le sobriquet dont on m'a affublé, et laissez-moi vous dévoiler les facettes de mon personnage. Voilà ! À première vue, je ne suis qu'un vulgaire comédien de vaudeville, à qui les vicissitudes de la vie font jouer le vilain et la victime, et vice-versa. Ce visage n'est pas que le vil reflet de ma vanité, mais un vibrant vestige de la vox populi aujourd'hui vacillante et vaincue. Vous devez y voir les vieux restes d'une vexation vieillissante, aussi vive que vivante, et vouée à vaincre cette vermine vulgaire, vivace, virulente et vénale, qui vivote en privant ces valeureuses victimes vaincues de la vérité et des vraies valeurs. Le seul verdict que je vois est la vengeance. Une vendetta violente, brandie telle un ex-voto, et non en vain, visant à faire vaincre la vertu face à cette vilenie levée dans les veines de nos villes. Ces vagues vocales faisant de moi un ventriloque vociférant ses volutes verbales, revenons-en à l'essentiel. Je suis honoré de vous rencontrer. Alors pour vous, je serai V. Est-ce que vous êtes fou, quoi ?